constat est différent par rapport à la façon dont les villes sont organisées. Comment on en est arrivé là? J'ai envie de commencer avec Mme Lalouche. Merci, M. Gao. Oui, l'urbanisation est un phénomène qui se pose un peu partout, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un peu de monde qui a parlé dans la ville que c'est un problème. Les villes sont des espaces d'attraction, les villes sont des espaces qui polarisent partout dans le monde. C'est la complexité même de la forme de la ville, de la forme humaine, fait que il y a des services, ça donne qui fait que la ville la donne. Mais le problème qu'il y a avec cette urbanisation, c'est que l'urbanisation a fait, les gens vont dans les villes, mais les services n'accompagnent pas les gens qui arrivent dans les villes. L'urbanisation, c'est un phénomène intéressant qui est lié à la modernité. Quand tu arrives dans la ville et que tu as, et que les démographes te parlent d'être en croissance, c'est normal que ça s'accélère parce que la ville attire. Mais qui service que nous jeunes? Quels sont les services qu'il y a pour subvenir à ces gens qui viennent là? Donc, ce qui arrive, c'est que aujourd'hui, on va parler d'Haïti. On est là pour mettre un peu sur les hypothèses par rapport à ce phénomène. Nous parlons pile de ça, mais je veux dire, Ginette Avem, on veut montrer qu'il y a des moyens de trouver des réponses à ce problème-là. Maintenant, ces services-là, il n'y a pas là. Donc, les villes ont des capacités d'absorption faibles. Et quels sont les services que normalement qui devraient accompagner la population dans ce processus-là? D'abord, les services de base, on devrait les avoir. Ils étaient déjà là, il y a de l'eau, il y a de l'eau, mais l'eau potable ou l'eau à usage domestique, il y a de commencer à diminuer. Dans le cas d'Haïti, c'est pourquoi, pour Port-au-Prince, par exemple, on a tous ces forages-là qui se font pour être capable de bien de l'électricité, c'est la même chose. Maintenant, et comme on discutait avec Ginette, le problème qu'il y a avec cette urbanisation, c'est la question des services de proximité. Qui s'annouerait les services de proximité? D'abord, tu as le transport. Le transport urbain, c'est fondamental parce que plus il y a des gens qui ont venu, plus il y a des gens qui ont besoin de bouger, plus le transport doit s'adapter à tout le monde qui n'est pas capable de vivre. Donc, la première chose, c'est le transport. Et donc, le transport aussi, non seulement il n'est pas capable d'absorber les gens, mais la qualité du transport aussi se détériore par rapport à cet afflux de gens qui viennent. Et un autre type de service qui est important, de proximité, qui doit subvenir encore aux besoins, c'est les marchés. On parle des villes, on a parlé de grandes villes en général, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Qui ça marché au gain? C'est que les marchés donnent des services, mais ce qu'on a remarqué à travers nos recherches et nos travaux, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Ginette et moi, ça fait plus de 30 ans que nous travaillons et dans les villes, que nous faisons des interventions concrètes dans les villes. Okay, donc nous connaissons qui ça va aller là. Donc les marchés. Parce que je vais passer, quand on va arriver sur la partie assainissement et environnement, je vais passer la parole à Ginette. Les marchés urbains, on parle des marchés et quotidiens, journaliers dans les villes. Et il est obligé de fonctionner tous les jours, ce qui est normal, mais la qualité et l'environnement de ces marchés-là aussi diminue. Un autre service de proximité que le papa Lampil le dit tout, ce sont les cimetières. Parce que mine de rien, plus on a venu, et c'est tout à fait, on parlait du cycle de la vie sur Madame Gilles, on a mouru. Mais espace ça qu'a pu recevoir Mounioto, il est saturé. C'est pourquoi on te dit déjà que le cimetière principal de Port-au-Prince est saturé. Donc, dans les territoires autour de Port-au-Prince, il faut avoir des longs espaces pour être capable de mettre ça seul. Un autre service de proximité encore qui pas absorbe les populations, ce sont les espaces de jeu, les équipements collectifs, les places publiques. Donc, toute dynamique ça qui est dans la ville là fait que, oui, c'est très bien que les gens viennent. Nous, et Ginette Avem, nous pas ouais question urbanisation comme un problème. Au contraire, l'urbanisation devrait nous forcer, en tant que décideurs et acteurs et citoyens, à augmenter la capacité des villes. Donc, pas qu'à empêcher l'urbanisation, mais qu'on y a, c'est adapter ville pour être capable de recevoir les gens qui viennent. Population. Maintenant, avec Ginette Chérubin, avant de venir à l'assainissement, C'est pas grave. Très bien. Et mon vie, regardez, qui est-ce que tu as expliqué que, j'aime ça dire, là, récemment, il y a 50% de gens qui vivent en milieu rural, et puis, brusquement comme ça, ville-là, vient dans tout le monde, nous parlons de plus d'un haïtien sur deux descendent dans la ville. Ça qui a expliqué ça, attraction vers la ville, ça, c'est ça qui a expliqué. En fait, attraction vers la ville, ça, c'est que, principalement, Port-au-Prince, qui est capitale Haïti, c'est capitale économique, pays. Et c'est là tout où jouer toute infrastructure
que moun yo besoin, infrastructure scolaire, les universités et les hôpitaux. Donc c'est zones de référence. Donc par conséquent, moun yo gen toujours tendance le yo quitté profession, yo vini dans Port-au-Prince parce que c'est là yo capable fait comme yo. Et c'est là qu'il y a quand même un petit à l'école, et c'est là qu'il y a quand même un petit à l'université. Donc, c'est ça, attraction. Mais, ville principale, il n'y a pas construit pour absorber millions d'individus. Mm-hmm. Et jusqu'à présent, pas jamais aucune planification urbaine, d'accord, qui permette que nous capables d'accueillir les gens, donc, d'une manière que yo senti yo bien nan vécu yo. Donc ça veut dire c'est pour perception que c'est nan ville là que Benet la yé, mais c'est plutôt parce que côté moun yo y a service yo déjà pas joindre. Donc c'est ça. Résoudre problème pas mal dire problème puisque c'est pas problème lié et manyen phénomène ça, il pas seulement adapter service yo pour moun ki nan ville yo, mais c'est vrai comment de garder centralisé tout en ces services pour empêcher que tout moun sa vienne dans ces espaces pas fait pour tout moun sa yo. C'est ça. C'est deux bagages différents. Moi, parce que bon, il y a une raison qui fait que nous avons fait travailler ça. Tout, c'est parce que après toute ces dix dernières années, nous avons parlé de la pire catastrophe naturelle qui fait. On a eu des séismes, des inondations, des cyclones, pas besoin de citer. Et par rapport à ça, tout, on s'est rendu compte que non seulement les villes n'ont pas de service, mais que ce soit les territoires des villes ou les territoires en milieu rural, la résilience n'a pas de ça. Ouais, nous pouvons prendre qui gens pour nous faire pour que si il y a des difficultés par rapport au risque naturel, comment on doit faire? À cela s'ajoute les risques, tout risque urbain que nous gagnons dans les villes, parce qu'il y a les risques naturels et puis il y a les risques urbains qui sont créés par l'homme dans les villes. Tout à fait. Maintenant, on a parlé de urbanisation ou de ces problèmes liés globalement, mais on regarde les constats aujourd'hui. On regarde Port-au-Prince, on gagne moins d'hôpital, on gagne moins de canapés verts. Nous disons chaque jour, c'est des gros dangers qui sont tête nous, j'en moune construit. Mis à part manque de services sur cette cité-là, qui constituait un problème à urbanisation, mais est-ce que j'en fait là tout, anarchiquement, est-ce que l'Iparvine fait de l'urbanisation un problème dans le cas d'Haïti? Oui, bon, il y a un problème parce que, et moi, ma propre pensée, j'ai dit, quand on travaille sur une capitale, c'est total, l'approche est totale, les grandes agglomérations métropolitaines, pour regarder yo on l'autre gens pour que yo on l'autre gens parce que d'abord son capital, ça veut dire que problème que nous gagne Port-au-Prince, nous pas qu'on gagne local, nous cas commencer gagne local, nous pas qu'on gagne Gonaïves. Donc dans le cas comme tu as posé la question de Capri, Port-au-Prince, oui, et pas capable de dire pas absence de planification, mais moi parce que planification que nous faisons et au Canada ici sont des côtés que nous réfléchissons pile, nous parlons pile. Je pense que oui, nous faisons planification, mais maintenant, et l'approche que nous avons là, c'est qu'il faut commencer à avoir des pratiques opérationnelles pour nous cibler des côtés bien précis entre la capitale là, si nous avons là-dedans. Canaan est relié à la sortie de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Qui est gens pour nous gérer Canaan tout en la connectant à Port-au-Prince? Et mon hôpital, et Cité Soleil. Donc, il faut prendre, pas capable de prendre ville là par morceau, mais il faut regarder la ville de Port-au-Prince et puis tout le territoire qui est dans le pays fait pour eux. Qui jeunes capables d'intervenir pour nous ajouter service, pour nous construire des quartiers, pour nous mettre plus d'équipements et puis pour nous capables de faire que la dynamique territoriale est capable d'enclencher malgré la croissance de la population qui a posé sur nous. Alors, il y a une conséquence, les gens qui ont sorti de la province, qui ont venu dans la ville et dans la ville, la malorganisation qui a gagné les gens qui ont habité, c'est saleté. Vous voyez la réalité à toute la journée, la méga première fatra, SMCRS a fait folie malgré. Pas trop efficace, mais Fatra toujours là, toujours bon pile Fatra, au fait lever là qui rentre. Donc, comment on peut aborder les questions ça? Eh bien, le problème, non, c'est que capacité service de l'État à gestion et détrition, il est faible, il est trop faible par rapport à population, à besoin de population et à déchets que population produit. Donc, il faudrait que dans la planification et urbaine que l'État gagne la pour faire, il faut que l'I mette, fait une adéquation entre population,
et déchets population et services que la baille là. Et services sont pas seulement arrêtés à enlever des déchets, mais il faut que nous traitions des déchets autour. Parce que nous rendons compte, semaine qui sont passées là, nous avons une semaine qui est très pluvieuse et nous rendons compte que toute plage est affectée parce que toute détritution a atterri sous plage. Or, nous dit que nous ouverts au tourisme. Si nous ouverts au tourisme, premier élément qui intéresse le tourisme, c'est plage. Donc, si nous pas capables de traiter des déchets dans la ville et que les déchets ont pollué la plage, nous pas qu'à dire nous ouverts au tourisme. Parce que premier bagage pour nous capables de faire, pour nous attirer le tourisme qui besoin de vivre dans la plage, c'est pour nous assurer que l'eau dans la mer qu'il y a pour le bien là-dedans, il est safe. Ou santé. Maintenant, nous connaissons plusieurs instances. L'Amérique a un pouvoir là-dedans, mais il y a une instance même qui est la SMCRS qui existe pour la zone métropolitaine. Et récemment, il y a une disposition qui fait là pour changer la SNCRS pour mettre au niveau national. Est-ce que ou une faiblesse de réflexion à niveau ça ou une faiblesse d'action? Je pense que c'est une faiblesse de réflexion et une faiblesse d'action. C'est les deux. Okay. D'accord? Parce que si SMCRS, Jean Lillier, il n'y a pas suffi pour faire nettoyage détritus dans la capitale là, soumettez-le au niveau national, il faut qu'on fasse une décentralisation de services là. Donc, sous PACA, service centralisé, un PACA by service, donc, l'on décentralisé, parce que haïtien, mon problème, c'est que le palais de décentralisation, ils mettent servicio, mais servicio, c'est des services fantômes, parce que pouvoir a toujours été dans la capitale là. Il n'est pas déconcentré. Il n'est pas déconcentré, vrai. Donc, c'est ça un problème. Il faut que nous, vraiment, là, on a parlé de déconcentration, il faut que nous fassions déconcentration. Ensuite, mairie, rôle mairie, les maires sont les premiers citoyens des villes. Et si les maires sont les premiers citoyens des villes, les problèmes des villes concernent au premier chef les concerne la mairie. Là, c'est avant où vous venez, Mme Malbranche, ça rappelait moins déclaration magistrat de Prince-là, généralement, il y a une chevrie. De vous poser la question sur Fadral, le Fadral, ce n'est pas lui-même, c'est SMCRS. Donc, quelque part, gagner un transfert de responsabilité qu'a fait et qui peut-être pas bon, j'en dis là, puisque c'est eux-mêmes qui promis citoyens de ville là. Si SMCRS pas répondre, on t'a supposé qu'il n'y a pas responsabilité. C'est certain. Ou des comptes. Oui, je vais me faire un point par rapport à la question d'assainissement que Général Mathieu a posé. Et je pense que dans l'analyse et recherche que nous avons fait dans le vidéo, parce que pas oublier que nous avons parlé de qui sont pour nous dans une vidéo beaucoup plus résilient par rapport à la situation. Et nous remarquons dans toute recherche que nous faisons, et surtout dans les grandes villes, et particulièrement dans la capitale haïtienne, et ça que nous relève des comportements urbains dégénérés. Oui, le fait que pas de service, le fait que Fatra n'a pas ramassé, et citoyens tous les mêmes n'ont pas participé dans le processus d'assainissement. Et puis, quelque part que ouais qu'a fait dans la rue, par exemple, nous sommes qui voyagent en ville, dans le paquet de côté, et des côtés où on voyage n'importe quoi, c'est vrai que, et nous n'avons besoin de service, nous n'avons pas n'importe qui côté pour le faire n'importe qui bail que nous avons besoin de faire. Ce n'est pas normal qu'en 2018, peut-être qu'il y a parlé de requalifier les villes, de rénovation urbaine, de camp, de politique, de modernisation, que toute part avec modernité, je mettais en place, que c'est le monde de mettre en place, que nous qu'est-ce qui devait être. Donc, c'est pas ça qui a été appelé nous par rapport à l'environnement ville, par rapport à l'assainissement. Qui ça qui peut faire pour que citoyens conscients que, et n'y pas qu'à jeter pas dans la rue, mais tout, j'en vais dire, il faut que, et autorité, municipalité, accompagner nous tout dans le processus ça. Bien même bien. Si citoyens, les conscients, mais, et ramassage là, collecte là, traitement, c'est pas nous pour faire. Mais il faut créer quand même une synergie entre deux quartiers, par exemple, pour nous être capables, qui sont capables de résoudre le. Donc, à blâmer, c'est pas seulement les citoyens qui jetaient Fatra, mais c'est peut-être l'État qui va avoir l'autre possibilité. Pas capable de blâmer, M. Gao. Oui, je pense que là, question extrêmement complexe, parce que je pense qu'on a ici que nous faisons pile, nous blâmer en pile, et puis. On parle de manière positive. Voilà le constat, parce que c'est sa première partie, première partie de la mes constats, mes alliés, mes qui sont organisés. Il y a des gens qui sont décidés
à faire que les choses avancent. En fait, moi, c'est ma présence bien simple. Et nous sommes à Barcelone, et puis nous avons visité la ville-là. Et puis nous avons travaillé avec la municipalité de Barcelone, qui est bien sûr 400 urbanistes qui travaillent là-dedans. Donc, la municipalité décide de 400 urbanistes. Pas parler de ingénieurs municipaux, pas parler de urbanistes, vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. Comment est-ce que et alors, qui ça a fait en tant que communauté ça pour que le gain assainissement et que le poids, tu as fait des concours de beauté qui est dans le quartier, qui est dans la ville de Barcelone. Et ce concours, ça prenait 6 à 8 mois pour que tout le quartier mette le maximum de fleurs, le maximum de plantes, le maximum d'innovation pour être capable de faire le quartier à belle. Et puis, on fait un concours là, et puis le quartier qui est belle là, municipalité à, balle des grilles, etc. Est-ce que dans la dynamique d'une approche positive et d'action concrète et réelle, nous réfléchissons assez, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de venir, et c'est ça peut-être objet et projet nous, porter des solutions innovatives, concrètes, ponctuelles, on nous fait, on voit si la marche, si la marche, pour machine que nous avons mis en marche, mais dire que, et si tout ça n'a pas fait travail, qu'on n'a pas fait travail, nous pensons qu'il faut dépasser le niveau ça, pour aller dans une approche beaucoup plus constructive et active, parce que nous sommes des femmes de terrain. Ça a été très difficile pour nous d'être là ce matin. Ouais. Okay. OK, nous c'est terrain, nous faisons, nous voyons des choses, nous connaissons comme nous voulons. Donc, on nous essaie de faire pour que nous soyons arrivés à ça. On nous change figure, ville, que nous vivons là-dedans. Que nous vivons là-dedans. Et c'est ça, terme émission, ça, là, et je dis. Très bien. Okay. Nous, voilà, allez-y, madame. Et nous pensons tout que il y a un bail qui est très important, c'est que il y a des sites dans la capitale là, que l'État doit empêcher que le monde construise là-dedans. Oui. Parce que nous connaissons particulièrement, moi, l'hôpital là, nous connaissons, c'est sable que l'on c'est carbonate de calcium que l'on il n'y a pas de roche là-dedans. L'eau a passé sous route canapé vert là, où est-ce que tu sous-sol la croix, d'accord, il y a un pile vide là-dedans, et puis c'est sable que l'on il y a des côtés qui paraissent, c'est roche, mais ce n'est pas vrai, c'est de carbonate de calcium. Donc, nous prenons exemple de séisme déjà et nous est qui trait que de malheur que ça portait pour nous mais moins que et dirigeant yo yo était plus enclin à sortir moun yo sous tente plan que chercher une solution de pour abriter yo et qui ça fait que sous tente yo et puis il a construit anarchiquement sous moins l'hôpital là qui en danger imaginez-nous que notre tremblement de terre fait même genre pour catastrophe que nous t'es passé nous et 12 janvier d'accord la pire que 12 janvier parce que Kounéan l'on gardé nous est que mon hôpital là est totalement habité par des petites constructions qui fait n'importe qui genre et si nous songeons bien si nous gagnons Si nous avons mémoire, nous apprenons nous compte que c'est tout ancien fait, bâtiment qui est écrasé, qui construit Kaysaï. Oui. Donc, nous avons un malheur pendier sous tête nous. Et, malheur plus grand encore que Pétionville, côté Mwanza a dominé Pétionville, d'accord, et Pétionville a grossi, population a grossi, et business a grossi là-dedans. Nous dit que toute population Port-au-Prince est tombée sous Pétionville et tout centre commercial là vient monter Pétionville, d'accord? Et puis, pour Pétionville, non situation comme ça, côté anarchiquement, tout le monde qui entoure là est habité par n'importe quoi. Donc, c'est un gros danger que lié. Et dire que tu as mis que présent, hein, pour lutter contre Baïsa. Plusieurs fois, il y a des mesures qui sont annoncées pour empêcher mon constat en l'air. Mais ici, en Haïti, nous toujours prenons mesures, mais nous pas jamais une politique mesure. Là. Et moi, je pensais que l'important que là, nous prenons mesures, nous prenons politique pour nous faire appliquer mesures. Et je pensais, en tant que femme qui vivent dans le pays et qui était décidée de rester dans le pays malgré la situation, yo, d'accord? Et moi, je pensais que l'heure pour qu'en Haïti, on dictature de la loi. Ah, okay. Il est bien dit, hein, dictature de la loi. Alors, nous parlons de ce projet et que nous allons implémenter et voir comment solution au Cavini. Mais avant, c'est un récent rapport qui dit Villio, il a grandi, mais la croissance économique là, il va marcher avec Jean Villio a grandi. Qui est-ce qui t'a
à la base de ça, Madame Malbranche. Non, mais c'est toujours, ça a toujours joué avec Sainte-Catherine-des-Dominions, ça a toujours joué avec service qui a accompagné et accroissement de la population. Au second bail qui est très important qui vient en ville, de la ville, j'ai une étape, là où toute qualité de service ça donne, comment est-ce qu'il y aurait les services tertiaires. Il y a différents tertiaires en dans la ville là qui fait que l'homme Port-au-Prince, moi j'ai plus de services que l'homme Lascaux-Bas, par exemple. L'homme Port-au-Prince, moi j'ai plus de services que l'homme Bassin-Bleu. Ouais. Donc, et tertiaire là, c'est parti, je suis capable de dire, privé économique qui accompagne tout le processus là. Et, étant donné que la population a fini sans que pour venir chercher emploi, donc ils viennent faire pression sur service sérieux qui sont vraiment capable d'adapter à la quantité de monde qui vient là-dedans. Mm-hmm. Mais moi-même, ça me permet de dire tout, c'est que parallèlement à ça, qui passe dans la ville-là, et comment est extrêmement intéressant tout, qui passe dans le territoire en dehors de la ville-là, c'est que il y a stabilisé, mais il y a même tout besoin de service. Donc c'est dans les deux directions pour. Ginette, du marin important, Ginette parlait de politique. Opérationnel. Il faut des politiques opérationnelles pendant que on va essayer de structurer les quartiers. On ne parle pas de capitale, donc, capital, donc pour agglomération métropolitaine. C'est pas la ville des Cayes, Port-au-Prince. Port-au-Prince, pas Port-de-Paix. Ouais, chaque spécificité pas. Et peut-être tout ça qui est important pour nous garder nous-mêmes en tant que spécialistes qui travaillent dans le domaine, c'est apprendre à garder qui gens nous-mêmes nous vivent dans notre propre territoire nous pour nous connaître. Quel type de solution pour nous porter, pour nous capables de résoudre le problème sérieux en tant que territoire. Donc, ça peut être pas le faire nous entrer dans. Maintenant, justement, nous allons faire la décision sur le projet nous. Et c'est garder comment nous venir avec des solutions. Il consistait en qui ça, le projet ça? Bon, le projet ça, c'est pas capable de dire que c'est une folie. C'est, il faut faire des bagages pour voir si on peut marcher. Il faut arriver grand, il faut une ambition. Merci, je pense que il n'y a pas qu'à arriver petit, il faut arriver grand, plutôt que rêve la grand et que nous réajuster. Bon, Ginette avait nous qui a un peu d'expérience, nous accumulons un peu d'expérience. Nous sommes, nous sommes des femmes qui avons vécu, nous avons, et nos maris sont morts, et nous avons avancé, nous avons enseigné. Okay? Et nous avons un peu d'expérience par rapport à qui sa dynamique territoriale là, qui sa qu'on villier, qui sa qu'on milieu rural. Et puis nous disons nous, pour qui ça nous pas à monter un programme de formation côté que nous pouvons développer pour les décideurs et les acteurs du développement des outils qui pourraient permettre ponctuellement et concrètement agir soit sur des villes de Port-au-Prince, soit sur des villes des autres villes et le processus de réflexion que nous faisons, nous réaliser que il y a beaucoup de rapports qui sont sur les pays du tiers-monde, mais je suis désolé pour ces grands experts. Haïti a une spécificité pâle. Haïti a une histoire pâle. Haïti a une culture pâle. Nous avons des formes d'habiter qui sont différentes des formes d'habiter à New York City, Manhattan. C'est clair. Ça nous clair sur ça. Nous avons des pratiques spatiales qui sont totalement différentes des pratiques spatiales à la Dominique ou à la Martinique. OK, donc l'idée de ce projet, c'est de regarder nous-mêmes qui nous vivons, prendre en compte patrimoine matériel et immatériel dans le territoire. Nous connaissons qui gens pour nous développer, qui côté pour nous mettre en service. Et là, on apprend, par exemple, nous avons travaillé à Léogane, côté que son côté qui ont un paquet de démembrés, son côté qui ont un paquet, c'est là que Basra a été dans la zone, ou pas capable. En pile la cour, pas capable de faire aménagement du territoire. N'importe qui, genre, route là, pas capable de passer n'importe qui côté, service n'a pas capable de mettre n'importe qui côté. Et puis, ça qui est intéressant, c'est que nous pas couper pied bois dans un salon par rapport à pratiques culturelles et culturelles. Donc, c'est un aspect programme, ça, c'est mettre en place avec des professionnels expérimentés qui font terrain. J'ai d'être capable de quel type de technique de développer avec les ONG, les techniques d'assainissement et l'organisation de l'espace. Donc, même tout praticien ça, il y a tout pratiquement parce que tout le monde a des cheveux. Oui, oui, à part peut-être deux ou trois jeunes, oui. Pour tout praticien ça, mettez-les ensemble et puis, qui ça n'a pas quitté pour la génération qui va venir? C'est bien. Héritage ça n'a pas quitté pour Yoa, c'est des outils d'urbanisme opérationnel, des outils d'aménagement des milieux urbains, des outils de structuration des territoires qui sont capables permettre au fur et à mesure que nous avançons concrètement et ponctuellement, opérationnellement, parce que ma prépételle, nous réfléchissons en pile, parce qu'on a là nos capacités. On agit, on ouais, parce qu'il faut faire avec ce qu'on a.
OK, donc on commence à faire, on commence à ouais ça nous qu'a fait et puis au fur et à mesure n'a avancé, n'a corrigé, n'a pas les autorités locales avec nous, n'a pas tous les cadres importants dans l'administration qui doivent prendre des décisions, n'a fait le chita, n'a pas le parler avec eux et puis n'a transmettre héritage ça okay. Que nous accumulé pendant 30 ans. Voilà. Là où dit formation mais où dit programme tout. Et m'en vie comprendre. Est-ce que son groupe monde qui va travailler sur des documents pour proposer l'État ou bien va former l'autre monde dans le secteur pour renforcer, pour faire masse critique dans le domaine bon, et mais justement, c'est ça. Et nous connaissons que les jeunes haïtiens ont soif de connaissances ouais. Et de savoir. C'est ça. Ouais. Et nous-mêmes, qui avons les cheveux blancs, qui fait expérience, nous, et qui maîtriser un certain savoir-faire, nous pensons que et c'est normal que nous fassions un transfert de connaissances avant que nous allions. Donc, c'est ça. Nous cibler, transmettre connaissances à des jeunes haïtiens qui voulaient recevoir connaissances ça, de manière à ce que au lieu il y a le tâtonner pour faire expérience nous pour arriver dans limite nous d'accord pour y partir de limite nous pour aller plus devant maintenant parallèlement n'a pas concevoir tout des matériels concevoir des matériels nous concevoir des outils a, pour nous transmettre on a déjà on a j'aime bien mais différence que fait un programme c'est un programme de formation spécialisée et dans ce programme là on a monté ce qu'on a ça nous en master en pratique spatiale de 45 crédits qu'a fait sur 3 semaines avec un projet professionnel. On va très sérieux, très structuré. Mais ça qui est important, c'est que nous avons écouté le professeur Pompidus, qui était professeur de la faculté de l'ESS, qui t'a parlé l'autre jour, et puis qui dit qu'il faut créer des poches pour modifier les façons de former. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que Ginette, ça a été une carte en affaire. Moi, je pense qu'en plus de ça, professeur Pompidus, c'est vrai que le professeur Pompidus a passé en matière de faculté qui était extrêmement difficile. L'analyse. Pas de chambre de café moyenne. L'analyse en mathématiques. Chaque fois que professeur Pompidus venait, c'était l'horreur. Je ne dis pas qu'on comprenait rien. Mais ça a aidé. Ça a aidé parce que je dis à nous côté nous hier. Moi, je pense que, et je me remets ça, professeur Pompidus, parce qu'à partir de là, nous sommes capables de dire, nous pensons que non seulement il faut créer des poches pour former autrement, mais il faut créer des espaces de formation et de recherche appliquée. Parce que si on n'a pas les outils, on n'a pas les outils qui ont un rapport avec la législation haïtienne, non? Que ce soit les permis de construire ou autre, on ne peut pas prendre les détails sérieux. Ce sont des outils, je n'ai pas parlé de la dictature. Des lois. Donc elles sont là, les lois. Toutes les lois qui nous permettent de faire des aménagements, elles sont là. Il y a d'autres outils qu'on a créés. C'est un bon outil intéressant que nous créons notre travail, nous, sur terrain. C'est des modèles de développement participatif qui fait que communauté, que ça soit à Canaan, à Ilavachoyan, yo un but de problème yo, yo compte sa problème yo, yo bao, pas qu'à yo bao solution, yo pote réponse, parce que métier nous c'est pote solution, yo pote réponse, et puis nous dit tiens, ce modèle est intéressant, pourquoi pas quand on fait, quand j'ai notre travail sur ces modèles d'assainissement et de gestion de toilettes, pourquoi ne pas intégrer la communauté? Donc c'est sur ce type de modèle là qu'on veut transmettre aux décideurs et aux formateurs, aux jeunes, pour que yo connaît tout et nous pas obligé voyager pour nous gagner solution. Solution, nous gagner des structures de formation ici qui capable bailler solution et des solutions en plus adéquates. C'est pas à l'imposer communauté ou des bagages, c'est non. Faire participer, prendre l'idée et ça marche. Et alors, tu ne peux pas imaginer que ça marche. C'est ça que l'ambassadeur suisse a voulu mettre acteur dans cette action. Ouais. Parce que si acteur a vive problème non une solution. C'est un deal pour que nous articulions solution en politique. Tout simplement. Et dans ça, ça j'ai une étape intéressante là. Et acteur, il pense que et expérience que nous faisons, c'est que la communauté a démystifié et ça au planificateur. Parce que nous capable pour pas que théorie que nous étions aux États-Unis et puis acteur a venu, les dit et là ma foi atelier canard avec des timoun canard et que nous faisons jeu, nous faisons parler que timoun nous dit ou l'homme dit qui j'en t'a remis canard, yé? C'est une question très simple. Il dit, et j'ai de malbrèche, t'a remis qu'un pied bois sur toute route que m'pral l'école là pour gagner l'ombrage. Donc, il fait, il t'a remis au quartier écologique, au quartier qui fait. C'est véhicule qui balaye. C'est pas un pareil qui a coûté cher non plus pour faire. Donc, faut me donner ça là-dessus.
Là, je suis à Sous-Île, parce que je travaille, nous faisons des ateliers avec 40 personnes Sous-Île, avec nous, qui savent que je suis à l'arrivée. Mon espace de jeu, et puis je dis tout, je suis à l'arrivée que le thème, c'est le thème de l'homme, et que les poissons dans l'espace de jeu. Donc, toute réalité territoriale, ça, la pété grille pendant le projet, nous pas capable d'aménager sans nous pas tenir compte de ça, nous pensons. Donc, c'est tout type de travail ça, que nous avons fait dans le programme. Maintenant, qui est public cible? Formation, programme, et. Qui genre au monde capable. Bon, public cible, j'ai une étape d'IAD. Et IAD, c'est d'abord, et c'est important parce que nous-mêmes, toute l'expérience, nous travaillons pendant. Au lieu que nous disions que l'État n'a pas marché, travail, nous, c'était travail avec l'État. Mm-hmm. Donc, nous pensons que les cadres publics de l'administration haïtienne, les cadres de l'administration publique, pardon, qui est important que l'État ait un programme ça pour nous capables de transférer. Parce qu'on va aussi développer des outils de contrôle et de structuration spatiale des territoires. C'est important. Et. Moun ki gen ingénieur, architecte, sociologue, économiste, et qui déjà a travail, capable de participer dans le programme, non? Étudiant qui fait fini, qui a diplômé, si y a besoin de un programme spécialisé, et que y a pas de moyen de voyager, y a quand même un programme. C'est ouvert, pratiquement, et nous pas gen, c'est pas exclusif. Non. Depuis que. Et particulièrement tout, et gen service de génie mairie, nous pensons que municipalité, il est important que tu participes dans un programme. Qui est et je te laisse. Il a écrit à SODAD, SODADEMPS, à gmail.com, et puis il a des informations, et puis il y a des informations sur qui ça peut faire, qui peut participer, et comment peut venir pour connaître sa capacité. SODADEMPS, à gmail.com. MPS, à gmail.com. N'a fini, mais on va demander nous, est-ce que le programme ça n'est pas empiété sur le travail SIAT? Non. Non. Non, non. Et très bon point. Et comment est-ce que ça a passé dans le pays? Pendant que vous dit que le pays a crasé, il y a un paquet de programmes spécialisés qui ont un paquet de côté. Donc, le programme ça, c'est un programme en plus qui n'est pas assemblé à aucun autre programme qui fait et qui a côté un du plus en question. Et c'est ça, développement. Le développement, c'est qui, chaque fois, a une participation par eux. Nous-mêmes, nous sommes dans l'opérationnel, nous avons des outils, nous avons des informations. Et certainement, comme nous avons des conférences sur ce fait dans le programme, je pense que les premiers invités, les premiers conférenciers invités à ce programme-là, ce seront les gens du SIAT et de l'administration publique en général. Parce que c'est eux-mêmes qui connaissent sa territoire au niveau le plus important. C'est ça. Voilà, Sabine Malbranche, architecte urbaniste, et Ginette Mathurin, ingénieur civil et sanitaire. Nous t'écoutons petit parler à matin sur un sujet qui est assez important et bravo pour l'initiative là. On espère que si là-haut qui soif connaissance, il y a qu'à suivre nous pour transférer à la fête, puisque j'en ai dit, il y a un qui peut aller, il y a un qui peut prêter. Donc il faut que le travail à la carte continue. Et il faut payer à belle, il faut imaginer à camper. Et moi, c'est que le travail, c'était toujours ça. Et c'est un acte de générosité, et ce programme de formation qu'on a pour faire. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était ça pour la première partie de l'émission. Je n'avais pas annoncé, mais ce sera une émission en deux temps. Tout de suite, on va recevoir Robert Léger, qui est gouverneur de Rotary. Et il va nous parler de cette conférence organisée par Rotary Club. Ce sera tout de suite après la pause. Restez avec nous. Vous suivez la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. Seconde partie de l'émission, comme annoncé, on reçoit Robert Léger, qui est gouverneur du district 70-20 du Rotary Club International. Et on va parler de cette conférence internationale dont Haïti a le siège cette année. Mais d'abord, ce n'est pas tous les jours qu'on a le gouverneur d'un district de Rotary avec nous. Allons voir, plus ou moins, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce que c'est le Rotary Club ou Rotary International. Bon, bonjour, monsieur. Alors, tout d'abord, bonjour, monsieur Gardeux, et c'est un plaisir d'être ici et merci de nous recevoir. Et bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs. Le Rotary est une organisation mondiale, pas vrai? Donc, composée de clubs, et les clubs composés de membres, et les membres, ce sont des professionnels actifs ou retraités, et unis dans le même but, c'est-à-dire voir quel apport nous pouvons offrir à la communauté. Et nous offrons un service dans différents domaines d'action. Et qu'on les appelle parfois des axes stratégiques. Nous travaillons sur la prévention de la paix. C'est-à-dire, si vous aidez des enfants de rue à aller à l'école, vous travaillez comme prévention de la paix.
à dire prévention des conflits, alors préférence en faveur de la paix. Et nous travaillons également du côté santé. Et disons point de vue, ce qui est rapport avec la santé, l'eau et l'assainissement, également le développement économique et durable. Donc voilà un gros ce que c'est que. Vous n'êtes pas une ONG? Non, c'est une organisation de volontaires. Tous ces professionnels sont des volontaires. Il n'y a rien de on ne paie pas, on ne touche pas. Au contraire, les autres rien paient pour rendre service. Ok, donc les fonds pour accomplir vos missions proviennent de vous ou vous avez des bailleurs, des partenaires financiers? Non, les fonds viennent des Rotary, basiquement des Rotary, avec des cotisations. Ça dépend du club. Il y a des clubs, c'est 1000 gouttes par mois. Il y a d'autres clubs, c'est 500 gouttes par mois. Ça dépend du pays. Donc, ça dépend également, il y a des clubs beaucoup plus huppés qui vont donner 100 dollars américains par mois. Ça va dépendre de l'endroit où évolue ce club. C'est la beauté du Rotary. Et un Rotarien gagne quoi en Rotary? Cette sensation d'être utile à la société. C'est-à-dire, la philosophie rotarienne, c'est quoi? Je gagne en santé. Les gens vous disent, je suis un millionnaire, mais là, vous êtes millionnaire en santé. Vous êtes millionnaire parce que vos enfants peuvent aller à l'école. Vous êtes un millionnaire, pourquoi? Parce que vous avez un travail. Donc, vous voulez donner quelque chose à votre vie. Et voilà. Donc, c'est la voilà, satisfaction c'est d'être utile. La satisfaction d'être utile, la satisfaction de laisser quelque chose. Maintenant, comment on devient Rotarien? On devient Rotarien, en général, c'est toujours un Rotarien qui parle du Rotarien. Quelqu'un d'autre l'écoute et lui dit, écoute, moi, j'aimerais faire partie de cette organisation. Voilà comment on devient. Mm-hmm. Mais très souvent, on est Rotarien dans l'âme, sans le savoir. Okay. Et je dis toujours, c'est rare de ne pas trouver un Haïtien qui n'envoie pas quelqu'un à l'école, qui n'envoie pas un enfant à l'école. C'est rare. Dans sa famille ou... famille, un cousin, un neveu, quelqu'un dans le quartier. Et on a déjà l'âme Rotarien. Mais très souvent, ça ne se manifeste pas encore. Le Rotary vous offre cette opportunité de faire beaucoup plus. Au lieu d'envoyer un enfant à l'école, avec le Rotary, vous envoyez 1 000, 2 000, 5 000. Maintenant, concrètement, et quelqu'un qui écoute là ce matin, qui veut faire partie du club, qu'est-ce qu'il doit faire? Un téléphone, il y a un processus, une demande formelle, une lettre? Généralement, un Rotarien est un professionnel. Okay. Et pourquoi un professionnel? Parce qu'il y a cette position de leadership que demande le Rotary, en ce sens que vous venez au club pour partager vos idées, pour partager vos connaissances, votre expertise, parce que nous travaillons dans différents domaines, je l'ai dit, la santé, l'éducation et tout ça. Et en même temps, vous partagez également vos finances, puisqu'il faut payer une cotisation régulièrement chaque mois. Il y a la cotisation internationale qui est de 60 dollars par an, international. Et donc, si vous ne travaillez pas, comment vous voulez servir? Donc, il faut d'abord avoir une profession. Et ensuite, en général, avoir cet amour pour pouvoir servir les autres. Donc, c'est la condition basique pour être autant. Très bien. Maintenant, on parle du district 70-20, dont vous êtes le gouverneur. Ça veut dire quoi, le district 70-20? C'est une structure administrative. Le Rotary, c'est tellement énorme. Nous sommes plus de 1,2 million de dans plus de 200 régions et pays. Donc, pour administrer cette structure, il y a 35 000 clubs. Et il y a également les Rotaractiens. Ce sont des jeunes de 18 à 30 ans qui ne sont pas encore prêts à devenir Rotariens ou bien pourquoi? Parce que ils sont jeunes, ils ne veulent pas être avec les gens moins jeunes. Je ne dirais pas vieux. Oui, moi. Oui, oui. On va éviter de dire ça. Hein? Quand je vous regarde, c'est un gros mensonge. Hein? Donc, il y a également la famille rotarienne, les rotaractiens, les interactiens. Ça fait un gros morceau. Donc, et le headquarter, c'est-à-dire le quartier général du Rotary qui se trouve à Evanston, en Illinois, aux États-Unis, a divisé le globe, la planète, en zones. Les zones ont des directeurs. Il y a exactement 34 zones. Mais les zones sont subdivisées à leur tour en districts. Par exemple, nous sommes dans la zone 34, la dernière zone, qui comprend depuis Washington DC, ça prend toute la partie est des États-Unis, Floride, les Caraïbes, ça arrive jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud. Donc, ça, c'est la zone 34. Et bien, cette zone a 19, et la zone 34 a 14 districts. Maintenant, un district est dirigé par un gouverneur.
pour qu'il y ait un district, il faut un minimum de 60 000. Donc, notre district 79 à 80 000. Nous avons 2400. Je suis le possible de ce district. OK. Là, district 79 comprend 10 pays, donc les 64 clubs. Et 84 clubs sont divisés, en fait, sont étalés dans 16 villes. C'est 10 pays. Mais il y a parfois, il y a un pays qui a plusieurs îles. Il y avait avec des Rotary Clubs. Si nous prenons les Bahamas, eh bien, les Bahamas, il y a 3 îles. Les Bahamas, il y a des Rotary Clubs. Et si nous prenons le côté français, il y a Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Si nous prenons les îles Vierges américaines, eh bien, il y a Saint-Croix, Saint-Jean, Saint-Thomas. Donc, totalisant 16 îles forment notre district, mais 10 pays avec 16 îles. Maintenant, cette conférence, c'est quoi l'objectif? C'est renforcer, puisqu'il y aura des séminaires, il y a la formation des présidents élus pour l'année prochaine. L'année rotarienne commence le 1er juillet, pas le 1er janvier. C'est-à-dire, mon terme prend fin le 30 juin. Ça a commencé le 1er juillet 2017 et ça prendra fin le 30 juin 2018. Ok, ça c'est en poste tournant. Et oui, c'est chaque année. Okay. Et puis, donc, et généralement, le gouverneur reçoit chez lui. C'est la raison pour laquelle que Haïti reçoit. Mon chez moi, c'est au CAI. Je suis membre du Rotary Club de CAI. Et logiquement, j'aurais dû recevoir ces 475 délégués inscrits déjà au CAI. Mais nous n'avons pas cette structure pour recevoir 475. On vient d'en parler, tout est concentré. Donc, nous avons, exactement, nous devons, on n'y a pas à sortir de là, nous allons recevoir ces 475 délégués ici à Pétionville, donc au CAI. Donc, à partir de ce 23, on va dire que pratiquement 500 Otariens seront en Haïti. Combien vont venir de l'étranger et combien sont en Haïti? Et nous avons près de 160 Haïtiens enregistrés déjà. Et le reste, ce sont des étrangers. Venant de ces 16 îles. Donc, vous allez discuter, il y aura des ateliers, comme vous avez dit. Donc, c'est pour renforcer votre district et pouvoir être plus efficace et apporter plus à la société. La première partie, lundi, mardi, ce sera le training, le séminaire de training des élus. Des futurs présidents à partir du 1er juillet, futurs trésoriers, futurs secrétaires. Et mardi et mercredi, ce sera l'Assemblée où on discute des sujets propres au district concernant les difficultés que nous rencontrons, comment faire face pour l'année prochaine, renforcer nos connaissances sur le Rotary, parce que c'est une structure qui bouge constamment, il y a toujours du nouveau. Et jeudi et vendredi, à partir de mercredi après-midi d'abord, il y aura l'ouverture officielle de la conférence. Là, nous invitons d'autres partenaires à venir parler aussi de d'autres sujets. Par exemple, nous aurons et la dîner party qui sera avec nous et à la conférence jeudi. Pourquoi? Parce que actuellement, le Rotary International veut rentrer en accord avec le gouvernement haïtien pour voir comment le Rotary peut mettre la main avec le gouvernement pour donner de l'eau potable à tous les Haïtiens. C'est un grand projet, ça. Ah oui. Mais le Rotary voit toujours gros. Oui. Alors, et une question. Votre appui sera technique ou financier? Notre appui sera pratiquement un accompagnateur. Okay. Je vais vous donner un exemple. Vous avez été vacciné contre la polio. Connaissez-vous cette maladie, la poliomyélite? Oui, j'en ai entendu parler. Mais vous n'avez jamais vu un cas? Ah non. Ok. Je vous invite à venir voir un survivant de la polio qui va parler jeudi. Il vient du Canada. Okay. Eh bien, pourquoi je vous parle de cette maladie? Parce que la poliomyélite est une maladie que actuellement les jeunes ne voient plus s'en mêler. Depuis 1985, les Rotariens aux Philippines ont décidé de renforcer leur gouvernement en offrant des vaccins, en offrant la chaîne de froid et tout ça. Et ils ont mis le paquet. Et la courbe a chuté. Quand le Rotary International a vu ça en 1985, il y avait à plus ou moins 350 000 cas par an dans le monde de cas de polio. Ils ont dit, nous allons prendre la polio en charge. Et ça va devenir notre priorité numéro 1. Et maintenant, de ces 350 000 cas, en 2017, il n'y a eu seulement que 6 cas de polio dans le monde entier. Il n'y a plus eu de cas en Haïti, mais c'est grâce aux Rotary. Les gens ne savent pas ça. C'est grâce aux Rotary et aux Rotariens qui mettent leur argent ensemble pour les vaccins, la chaîne de froid, les agents. Bien sûr, ils ne donnent pas ça directement. Ils passent à travers des partenaires tels que l'Organisation mondiale de la santé, à travers le CDC Atlanta. Donc, à travers les gouvernements reçoivent ça de ces structures, ils sont nos partenaires. Et maintenant, Bill Gates, qui a vu l'impact du Rotary, maintenant veut faire partie de ce mouvement.
Maintenant, il est aussi un partenaire du Rotary pour combattre ce fléau. Donc, nous avons presque terminé avec la polio dans le monde entier, puisque le Rotary a dit, nous voulons terminer avec cette horrible maladie. Et on a presque gagné la bataille. Donc, maintenant, le Rotary veut rentrer et veut avoir notre projet global et veut commencer avec la mission. Voir comment donner de l'eau potable et assainissement à tous les Haïtiens. C'est ambitieux. Très ambitieux. Vous allez vous attaquer à un problème auquel nombreux ont déjà essayé de faire face. Et jusqu'à présent, on connaît la situation. Et bon, on n'a qu'à être positif et espérer, parce que vous avez déjà réussi plusieurs gros combats. Donc, il n'y a que d'attendre. Et là, les décisions sont en cours. À quel niveau est-ce que vous êtes dans le cadre de ce problème? Le Rotary ne s'impose jamais. Le Rotary travaille avec. Donc, nous avons déjà fait les contacts avec l'institution qu'on appelle la DINEPA et nous leur disons, dites-nous, comment voulez-vous que nous vous accompagnions? Le Rotary ne vient pas vous dire, voilà ce que nous allons faire. Non, vous nous dites et nous allons vous accompagner. Donc, nous sommes à ce stade pour l'instant. On n'a pas encore réellement démarré parce que nous attendons encore l'institution qui va nous dire, voilà comment nous voulons que le Rotary nous accompagne. Très bien. Et... cette conférence, comment on peut participer? Est-ce que ça, c'est ouvert uniquement aux Rotariens ou au grand public? Non, ce n'est pas ouvert au grand public. C'est seulement les Rotariens qui peuvent avoir un guest ou bien deux guests. Ils peuvent avoir un invité ou deux invités, bien sûr, mais les médias sont invités. Donc, l'ouverture officielle de la conférence, pas pour les ateliers de préparation, se fera mercredi de cette semaine. Et 25. Mercredi 25. Et ça va commencer exactement. Le Rotary est ponctuel. On commence toujours à l'heure. Ça va commencer à 14h. Donc, Métropole est invité à venir voir et cette ouverture de la conférence qui est toujours solennelle, toujours réellement c'est une grande cérémonie, belle cérémonie. Donc, si vous êtes là depuis 3h30 et vous installez vos appareils, 4h, on commence. Donc, 4h, Caribé, ouverture de cette grande conférence, la fête est invitée et chaque Rotarien peut emmener 2 ou 3 invités. C'est ça. Eh bien, je crois qu'on a tout dit, mais est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si on veut avoir des informations supplémentaires, si quelqu'un veut faire partie du club, il y a un numéro de téléphone? Eh bien, je n'ai pas un téléphone précis pour chaque club, puisque nous avons 21 clubs en Haïti répartis dans le nord, le sud, l'ouest, tout ça. Mais on peut toujours contacter un Rotary Club qui se trouve dans la ville où se trouve cette personne. Et puis, à ce moment-là, on fait le contact. Très bien. Et dernière question, est-ce qu'il y aura un représentant du Rotary Club international à cette conférence? Logiquement. Comme le président du Rotary International ne peut pas aller dans les 37 000 clubs qui ont leur conférence, il envoie un représentant spécial qui arrivera mardi après-midi. Il sera aussi accompagné d'un ami de longue date qui deviendra président du Rotary International. Il est de Bahamas, il fait partie de notre histoire. C'est M. Barry Racine, qui a beaucoup travaillé déjà en Haïti, surtout après le tremblement de terre. Donc, les deux arrivent mardi après-midi. On sait déjà qui sera président. C'est comme ça que ça se passe? Oh, en avance. Nous avons 3 ans à l'avance. Je sais qu'il sera mon successeur le 1er juillet. Et mon successeur a déjà son successeur 1 an. Et encore déjà. Donc, nous avons 3 gouverneurs en attente. Quelle organisation. Donc, c'est très structuré. Bravo. Eh bien, Aubert Léger, c'était un plaisir. Je crois qu'on a tout dit. Et rendez-vous 25, Caribé, 4h. Très bien. On vous attend. Et merci encore de nous recevoir aujourd'hui. Il est gouverneur du district 70-20 du Rotary Club International. Il est haïtien. Il fait partie du club de CAI. De CAI, Rotary Club. Il est gouverneur jusqu'au 30 juin. C'est ça. Voilà. Il a été avec nous ce matin. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le Point sur Radio et Télémétropole. Excellent week-end. Mon nom, c'est Luc Néagaro et à bientôt.